Tusoma wa Roma 8:28. Romains 8:28. Mpaka makumi tatu. Jusqu'au 30e verset. Roma 8. Romains 8. Makumbili na nane. 28. Mpaka makumi tatu. Jusqu'au 30e verset. Nasoma katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaompenda Mungu. Kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, aliwaweka tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Na wale ambao aliwaweka tangu zamani akawaita vile vile. Na wale ambao aliwaita akawahesabia haki. Na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza vile vile. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ta parole. Bénis-nous. Bénis ceux qui sont en ligne. Alléluia. Et ceux qui suivront cette prédication même après sa transmission. Okay. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seyonou. Tukae. Amen. Amen. Nous disons que Dieu vous bénisse. Tunasema Mungu awabariki. Quand je vous vois comme ça, niwaonapo hivi, j'ai une question dans le cœur. Nina swali moyoni mwangu. La celle-ci. Nalo ndilo hili. Puisse le Seigneur ipendeze Mungu nous exaucer. Awajibu. Et voir votre courage. Kwa kuona bidii mnayo. Et qu'il vous fasse des choses. Awafanyie mambo mawili. Qu'il réponde à vos requêtes. Ajibu kwa hitaji zenu. Et qu'il vous fasse arriver au ciel. Na awafikishake mbinguni. Parce que sababu, je sais que vous êtes venu. Najua kuwa mulikuja. C'est pas parce que vous voulez m'écouter. Si kwa sababu mnataka mnisikilize. Ou bien écouter Pascal. Wala kusikiliza ndugu Pascal. Nous n'avons rien à vous donner. Hatuna cha kuwapatia sisi. Je sais. Najua. Que vous êtes venu. Mulikuja. Parce que vous sentez dans vous le désir d'aller au ciel. Sababu mnahisi ndani yenu haja ya kwenda mbinguni. C'est que je sais votre motivation. Na ninajua kwamba hiyo ndio shughuli yenu. Alors. Kwa hiyo. Que ces efforts. Bidihio, que ce courage, nguvu hizo, que ce temps que vous vous donnez, muda huo mnaojipatia, tôt le matin, asubuhi mapema, en toute rapidité, katika kuharikisha yote, de venir vous asseoir, kuja kukaa, d'autres en ligne, wengine kwenye mtandao, qui prennent le temps de gaspiller des mégas, wanaokuwa na muda na kutumia vocha zao. Et de dire, nakusema, je vais suivre ça. Nitafuata haya. Que cela ne soit pas une perte. Hiyo isiwe kihombo. Hier j'ai reçu des questions en ligne. Jana nilipokea maswali kwenye mtandao. Il y a beaucoup de collègues, des amis que je ne connais même pas. Wenzetu wapendwa wengi ambao siwajui wakanambia. On dit, walituambia, j'étais avec vous quand vous étiez en l'église. Mulipokuwa kanisani nilikuwa pamoja nanyi. Qui m'ont dit, wakanambia, je suivais. Nilikuwa nikifuata. Quand vous avez dit ça, muliposema hiki, voici ce que moi je ressentais. Tazama kile nilichohisi mimi. L'autre m'a, mwingine akanambia, j'ai trop de songes de rêves. Nakuwaka na ndoto na njozi nyingi. Je lui ai dit envoie ça moi. Nikamwambia zinitumie. Pour voir, ili tuone, quelle est sa préoccupation. Inataka maanisha nini? Il n'est pas ici. Haiko wa hapa. Il était quelque part. Bali alikuwa fasi flani. De courage comme ça. Bidi kama hiyo. Je suis sûr. Nina uhakika. Qu'il y a un Dieu fidèle. Amen.
qui voit vos efforts. Et il est mieux que nous. Ce qu'il peut vous faire, c'est que même nous, on ne peut pas vous faire. C'est ma prière. Et c'est ça ma réponse que je souhaite que Dieu vous accorde. Alors, le dimanche, nous avons prêché. Et l'autre dimanche, mais je vais dire, tout visiteur qui est venu adorer avec nous aujourd'hui, qu'il soit le bienvenu, qu'il se sente à l'aise ici. C'est parmi les frères et les sœurs. Qu'il se sente à la maison, dans la maison du Père. Je ne pouvais pas passer sans le dire. Alors, le dimanche passé et l'autre, donc les deux dimanches précédents, j'avais prêché sur la vérité sur la croissance de l'étape du Saint-Esprit à la glorification. J'ai prêché sur cette vérité. Que on a le Saint-Esprit, mais on doit grandir. Je l'ai dit dès dimanche. Ceux qui nous ont suivis n'ont plus de questions pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Aujourd'hui, vous êtes sûr que c'est vrai. On a lu des citations, on a lu des versets. Je n'y rentre pas parce que la révision risque de prendre tout le temps. Si vous doutez encore, revenez à nos audios. Si vous doutez, récupérez les versets et les citations que nous avons lus. Ok? Mais le dimanche, je n'ai pas touché l'aspect qui restait. C'est quel aspect? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que la personne qui a le Saint-Esprit fait pour continuer à grandir jusqu'à la glorification? Qu'est-ce qu'elle fait? Et cela, ce n'est pas seulement pour celui qui a le Saint-Esprit. Même celui qui ne l'a pas encore, s'il continue à le faire, le jour où il a le Saint-Esprit, ça devient rapide pour lui. Donc ce sont des exercices, ce sont des choses qu'on fait qui vous rapprochent plus de la sainteté, de la pureté, de l'adoption, de la glorification. C'est ça la prédication d'aujourd'hui. Les 12 choses que vous devez faire pour grandir rapidement jusqu'à être adopté. Je vais les prêcher. Je m'arrangerai pour être bref à chaque étape pour qu'aujourd'hui je termine avec les 12. Bon, à moins que le Saint-Esprit dise tu t'arrêtes à 5 là, je vais obéir parce que moi aussi je suis Kadogo, je dois respecter les boss. Alors, on vient de lire quoi? Mastique. On vient de lire quoi? Il nous a prédestinés. Pour que... Merci. Lui, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Mana yake.
Ça veut dire Mungu Dieu mbele uzaliwe mtumbu ya mama yako avant que tu ne sois né de la vivante anakuona kule na baba yako yazaliwa il te voit là avant ta naissance anakufangia mpango et il te fait un plan où atakuwa mpagani miaka 10 il va vivre sur terre pendant 10 ans ama miaka 30 ou même 30 ans mais siku mimi namuokoa le jour que je vais le sauver tamuita je vais l'appeler tamuhesabia haki je vais le justifier tamutakasa je vais le sanctifier tamupasa saint esprit je lui donnerai le saint esprit mais akuyake fanana Yesu pour qu'il puisse ressembler à Jésus ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères manake Yesu anakuwa muzaliwa wa mwetu wa kwanza ça veut dire Jésus Christ devient notre fils aîné ne siete pas vos petits frères na vos petites sœurs nous devenons ses petits frères et ses petites sœurs c'est lui le fils aîné dans notre famille na moyana muone asema et celui qui le voit il dit onaka ba petit ake ba kufanana je vois ses petits frères qui le ressemblent na moyana ona Yesu et celui qui voit Jésus anasema il dit mi naonaka goma ba mama ba kufanana Yesu je vois à goma le maman qui ressemble à Jésus na benye banayua Yesu et ceux qui savent Jésus ba kikuona quand il te voit petit ake huyo dit c'est son petit celui-ci petite sœur ake c'est sa petite sœur céleste. Na benye bana kuona. Et ceux qui te voient. Benye bana shaka sikia habari za Yesu. Ceux qui ont déjà entendu les nouvelles de Jésus. Bana kuona sema. Ils diront. Même si yaonaka Yesu. Même si je n'ai jamais vu Jésus. Mais benye lishaka sikia ku Yesu. Mais ceux que j'ai déjà entendu. Uyu papa. C'est papa. Uyu mama. Cette maman. Isawa Yesu tu. Et c'est le comme Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Eh? Amen. Eh? Amen. Les gens vont commencer à se demander. Même si même si nous n'avons jamais vu Jésus. Mais nous sommes dans l'église avec certaines mamans. Nous sommes avec certains papas. Presque Yesu tu. Mais ils sont comme presque Jésus. Ni c'est tout simplement. Aba ni banadamu. Et ce sont des humains. Yeye ni Mungu. Jésus c'est Dieu. Ni c'est tout simplement. Aba ni bakudunia. Et ils sont sur la terre. Mais yeye anakuwa wa mbinguni. Mais lui il est au ciel. Mais en tout cas. Mais vraiment en tout Yesu cas. Tu ni grand frère ya. Jésus c'est leur grand frère. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Maintenant, vous voyez les étapes dans lesquelles il les fait sortir d'ici. Et il les amène dans une autre étape. Il les fait sortir d'ici. Il les place dans un autre. Mais son souhait, qu'il puisse les mettre à la dernière étape. Quand ils seront glorifiés, ils commencent à vivre sur terre. Avec amen, la glorification. Alléluia. Amina. Apocalypse 10 est parti, paragraphe 157. Frère Branham dit ceci. Mais la sécurité, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Paul nous dit dans les premiers chapitres aux Éphésiens, Paulo anatuambia katika pindi la kwanza la Waefeso que Dieu avant la fondation du monde yakuwa Mungu kabla ya kuweka misingi ya dunia nous avait prédestiné alikuwa kalitutayarisha tangu zamani à être des fils d'adoption par Jésus-Christ ili tuwe wana wenye mamlaka kupitia Yesu Kristo. Paul le dit dans le livre des Éphésiens. Paulo anaisema katika kitabu cha Waefeso. C'est Éphésiens 1:5. Waefeso 1:5. Il dit ceci. En lui, Dieu nous a élus à la fondation du monde pour que nous soyons saints. Alléluia. Ili kwamba tuwe watakatifu. Donc, Mungu anatuanda. Dio, Dio. Anatuanda kule.
là dans la prédestination pour que tu crois que batakatif pour que nous soyons saints. Amen, 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 amen. Nama pombe mulikunyaka et même les bières que vous avez nama cigarette mulivutaka les cigarettes que vous avez fumées nama kofi mulitwanganaka kule et les gifles que vous avez giflé kiwa wateule et dans des ennemis Mungu anakuona kule Dieu te voilà ananda utakatifu yako kule et il Il apprête ta sainteté là-bas. Najua, parce qu'il sait. Si kuzitafika kabina kukera muroho. Les jours arriveront que ces péchés vont te faire mal dans le cœur. Na utabitoshiaka machozi. Et tu vas pleurer pour cela. Na utabitengenezaka ya makweli. Et tu répareras cela véritablement. Na Mungu anasema, et Dieu dira. Sibione tena. Je ne vois plus cela. Kisha na kupandisha mbele. Et puis il te fait monter là-haut. Katika mpango wa utakatifu. Dans le plan de la sainteté. Amen, amen. Nous a élu Ali Tuchagua, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints ili kwamba tuwe watakatifu et irrépréhensibles devant lui. Pasipo lawama mbele yake. Nous a prédestiné akiwa ametuanda tangu awali dans son amour katika upendo wake à être ses enfants ili tuwe wana wake d'adoption par Jésus-Christ wenye mamlaka kupitia Kristo Yesu selon le bon plaisir de sa volonté kufuatana na jinsi ilivyompendeza. Je me sens être très joyeux. Que je sois né du même ventre avec Jésus. Amen, amen, amen. Baba Ache. Qu'on laisse les autres. Et que toi seulement on te pique dans la famille. Et que tu crois. Que tu puisses croire. Baba basi amini. Et ne crois pas. Unatubu habatubu. Tu te repens et il ne se repent pas. Mene bakupikanishe. Et que même qu'il te combatte. Aseme juu ya nini uliamini. Et qu'il te demande pourquoi tu y as cru. Kumbe Mungu anakujua. Pourtant Dieu te connaît. Na bengine habajui. Et il n'a pas connu les autres. Kisha nakutia pale. Et puis il te place là. Tengeneza mtoto. Répare enfant. Unatengeneza. Tu répares. Ingia mwai mpango. Entre dans ce plan. Unaingia ndani. Tu entres dedans. Ingia mwai mpango. Entre dans ce plan. Unaingia ndani. Tu entres dedans. Tena sema hapa unanifanana. Ici tu me ressembles. Kama nakufa, si tu meurs, utafika kwangu. Tu arriveras chez moi. Kama mimi nakuya kamata kanisa. Et si je viendrai par l'église. Mwai position déjà ou quoi? Dans cette position dans laquelle tu te retrouves, nitakubeba. Je te prendrai. Anaacha wengine wote banazubala mu bya makuta bya maisha. Laisse les autres être distraits dans l'argent, dans la vie. Binabakula nyakati. Et ça le prend tout le temps. Na banakuya kushituliwa. Et puis ils seront. Kanisa linaenda pa. L'église part soudainement. Pourquoi en position? Et toi tu es dans la position. Na benye mulikomala nabo hakuna ta mumoya. Et ceux dont vous avez grandi ensemble, il n'y a même pas une personne. Neema ya Golgotha. La grâce de Golgotha. Kishanjo Paul anasema. Et c'est là où Paul dit. Oh là là. Oh là là. Selon son bon plaisir de sa volonté, sawa vile alivyopendezwa, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Kwa sifa ya utukufu ya neema yake aliyotupa kupitia mpendo wake. Manake Mungu anatupatia utukufu. Ça veut dire que Dieu nous donne la gloire. Kwa neema yake, pour sa grâce yenye natoka mu mtoto wake, qui vient de son fils. Na njo glorification. Et c'est ça la glorification. Manake glorification na adoption, ce qui signifie que la glorification et l'adoption, ni kitu kimoja. C'est une seule chose. Lakini sasa, mais maintenant, hivi tulishasikia kukomala, kukomala, kukomala. Comme nous avons déjà entendu grandir, grandir, grandir. Na tumesikia uo mpango. Et nous avons déjà entendu ce plan. Nini mtu aliye anaelekea huko anafanyaka. Maintenant, que fait l'homme, celui qui se dirige dans ce plan? Huyu mtu, cette personne, anapokomala, quand il grandit, écoutez, sikieni, anapita katika hatua gani? Il passe dans quelle étape? Amen, amen. Ceux qui ne nous ont pas suivis avant, ceux qui ont encore des questions en disant que le Saint-Esprit ne grandit pas, haiko kukomala seme ni katoto kana komala. Ce n'est pas à dire que c'est un enfant qui doit grandir. Ni ile ile roho. C'est le même esprit. Mais anaenda iko na occuper espace kubwa avec le temps. En occupant les places dans l'humain avec le temps. Munisikie. Écoutez-moi. Kana fika sawa katoni. Ça arrive comme un petit bouton. Mais na hakaya contrôler mwili yote. Mais tu n'as pas encore contrôlé toute la chair ou tout le corps. Musiwaza seme. Ne croyez pas kana kwa ni ka bébé. Que ça devient comme un bébé. Njo bébé. C'est toi qui es bébé. Mbele ya Mungu. Devant Dieu. Takuya kuwa grand mbele ya Mungu. Tu n'es pas encore grand devant Dieu. Roho kukomala. Mbele
l'esprit pour grandir. Ça veut dire il entre dans l'homme comme un bouton. Je l'avais dit le dimanche passé. Et puis la façon dont tu évolues, lui aussi occupe l'espace. Je vous ai dit comment est-ce qu'il arrive dans le cœur. Et puis il saisit les yeux. Il entre dans la bouche. Il entre dans les pieds. Il entre dans les yeux. Il entre dans les oreilles. Jusqu'à ce qu'il arrive à t'occuper toi. C'est ça le fait de grandir. Est-ce que nous nous comprenons? Ça veut dire la personne dans laquelle le Saint-Esprit n'a pas contrôlé, mais il a. Ça veut dire qu'il y a des espaces que l'Esprit n'a pas encore contrôlé à 100%. Maintenant, le temps qu'il est en train de grandir, il occupe les espaces. C'est donc toi-même aussi tu dois sentir que je ne suis plus ce que j'étais hier. Je ne suis plus ce que j'étais avant-hier. Pas qu'on prendre contrôle et te pas. Jusqu'à ce qu'il arrivera à te contrôler tout en entièreté. La guérison divine, paragraphe 165. Nous croissons chaque jour. Nous croissons chaque jour. Quelque chose grandit au-dedans de vous. Amen. Amina. Vous devenez plus grand. Vous vous déployez. Piganisha. Ça peut prendre. Wakati kuna soma mwe munazimisha hii, itanisaidia. Kama itawezekana. Vous vous déployez. Piganisha. Ça peut prendre plus. Yaweza kamata zaidi. Paul a dit. Paulo alisema. Quand vous. Wakati il s'adressait à l'église corinthienne. Alikuwa akisema na kanisa la Wakorinto. Il a dit. Alisema. Vous devenez des hommes mûrs. Munakuwa watu wazima. Vous grandissez. Mukomae. Mais. Lakini. Alors que vous devriez être des maîtres. Wakati mungelipaswa kuwa walimu. Vous êtes encore des bébés. Mungaliki watoto wachanga. Qui ont besoin qu'on leur enseigne. Mungali nahitaji mufundishwe. Alors que vous devriez être des maîtres. Wakati yenye mulipaswa kuwa walimu. Quelque chose grandit là à l'intérieur. Kitu fulani kina koma mlendani. Pousse. Kina ota. Devient plus grand. Kina kuwa. Le Saint-Esprit grandissant. Rohom takatifu akikoma a. Le Saint-Esprit. Rohom takatifu. Grandissant. Akikoma a. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Kama muko munabisikia sawa mie. Si vous êtes en train de le comprendre comme moi. Kukosa mina bahubiriaka. C'est quand des fois je vous prêche. Munabisikia souci nengia muro. Et je me sens le souci entrer dans le cœur. Nasi miko saba tuniko nina bibambia. Et je me dis c'est comme si je suis en train de dire ces choses à ces gens. Mais ils ne sont pas en train de comprendre comme moi je les comprends. Ah oui oui. Des fois bina nilumaka munasi. Est-ce que ma kwa nasikia? Des fois ça me fait mal et je me demande est-ce qu'ils sont en train de comprendre. Ça 66. La nouvelle naissance, lorsqu'une naissance a lieu à partir de l'extérieur, wakati kuzaliwa imeonekana tokea nje, de l'intérieur vers l'extérieur, kuanzia ndani hadi nje, muyache tu, c'est la lumière qui est là, j'ai compris, bali tutilia munuru, sababu ma video zilikuwa zinaanza kuwa giza, muyache vile, tutakazana, batu wako na besoin tu ya kusikia, na hii inaonekana tu. L'enfant grandit s'il vit. Mtoto anakoma kama naishi. Si ne vit pas, asipoishi. Ne change pas. Habadiliki. Et c'est vrai. Na ni kweli. Et lorsqu'une naissance se fait de l'intérieur. Wakati kuzaliwa inafanyika kwa ndani. L'enfant ne grandira-t-il pas? Je, mtoto hata koma basi. Le Christ qui est dans votre cœur. Ule Kristo aliye ndani ya moyo wako. Devrait grandir chaque jour. Alipashwa akomae kila siku.
Et c'est vrai. Il y a certaines citations. Ujumbe, si tu comprends très bien le message. Na skazi na bamalizia mihali na mabishi na maswali. Ça met fin aux discussions. Unaone kosa zinakushusha zinakulisha kugulongo chini pa. Et tu vois comme si ça te fait asseoir sur la terre pa. Unasema sina bia kudiskite. Et tu dis je n'ai plus à discuter. Niko na besoin niwe est-ce que mwenye iko mumie kana koma laka sasa? J'ai besoin de savoir est-ce que celui qui est dans moi est-ce qu'il grandit? Na batu ya ujume njoba naletaka bubishi sana. Et ce sont les gens du message qui font beaucoup de discussions. Oui oui. Ukimupa citation. Et quand tu lui donnes une citation. Alors va s'anyamaze. Alors qu'il se taise. OK OK. Amen. Okay. Amen amen. Unaona? Voyez. Il y a une personne qui m'a posé. Nakama iko natufuata sikia haiko hapa. Et s'il est en train de me suivre qu'il est pas. Allez, munionyeshe mniambie kwenye ujumbe tunasema sema Kristo na Roho Mtakatifu vinakomalaka. Montrez-nous là où ça mingi mu magroupe. Montrez-nous dans les messages où se dit que Christ et le Saint-Esprit peuvent grandir. Asaidiwe pale. Maintenant qu'il soit aidé par cette situation. Haiko ubishi tulikuwa ni kusaidiana. Ce n'est pas la discussion, nous sommes venus pour nous entraider. Na wewe siku tabiambia mtu. Et toi quand tu le diras aux gens. Mwambie alishakabisikia. Tu lui j'ai déjà écouté. Na bali bisomaka. Et on avait lu. Kama ulibisahau niulize sema pasteur ile citation ya wapi? Et si tu as oublié demande mon pasteur cette citation là elle est où? Ndika toi umwambie sema wende soma kitabu kinaitwa uponyaji wa kiroho. Et Christ seulement et dit lui va lire la brochure qui dit la guérison divine. Mwambie sema sikumuke paragraphe mais uponyaji wa kiroho. Dis lui seulement je ne me souviens pas du paragraphe mais c'est la guérison divine. Amen amen. Yeah. Le Christ qui est dans votre cœur. Christ alienda devrait grandir chaque jour. Ali passe comment et qui la secoue. Il devrait devenir plus grand, plus puissant. Ali passe quoi? Mkubwa zaidi, mwenye nguvu zaidi. Avoir une meilleure compréhension des choses. Kuwa na kuelewa mzuri ya mambo. Pardonner. Samehe. Continuer de marcher comme Dieu le voudrait. Kuendelea kutembea vile Mungu angelipenda. Jusqu'à ce que Christ. Alléluia. Hadi hapo Christo, l'espérance de la gloire, tumaini ya utukufu, soit formé en vous. Aumbike ndani yako. Unako mal. Grandis. Na Christo haya onekana mwe. Et Christ ne sait pas manifester. Mal. Tu grandis. Mpaka na jiforme. Jusqu'à ce qu'il se forme. Anaumbika ndani yako. Anaumbika. Forme dans toi. Donc on a quoi? On a Jésus le grand. Quand on commence à voir le Jésus grand, na banon ka petit ya ke kakopa. Et on voit aussi son petit qui est là. Juya nini? Pourquoi? Sababu. Parce que kama haumbike. Si il ne se forme. Hauwezi kusema kuna kitu chenye ulishakapata. Tu peux pas dire qu'il y a quelque chose que tu as reçu. Alors, atakomalai. Maintenant, comment est-ce qu'il va grandir? Ataumbikai. Comment est-ce qu'il va se former? Sikia zile shurti 12. Écoutez maintenant les 12 conditions.